Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux. Un peu mieux qu'hier soir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite mise à jour au niveau de l'huile, mais en fait, du mélange d'huile que je fais avec le gaz. Pour préciser, avant, à chaque fois que je mettais du gaz dans mon scooter, il fallait que je mette de l'huile dans le compartiment d'huile, évidemment. Et en plus de cela, il fallait que je mette de l'huile... attendez, c'était comment mon mix déjà? Il fallait que je mette 10 ml pour 1 litre. Comme par exemple, si je mettais 4,2 litres d'essence dans mon scooter, je mettais 42 ml d'huile. Mais maintenant, ça sera vraiment plus la même chose. Maintenant, vu qu'il n'y a plus le compartiment d'huile et que ça va juste être de l'huile qu'on va mettre, que je vais mélanger avec le gaz, il faudra que je mette 25 ml par litre. La pasture, ouais. 25 ml par litre. C'est pour ça qu'on m'a offert une bouteille. Secret Import, ils m'ont donné une petite bouteille. La voici. Moi, c'est le 1 sur 40. Ouais, 1 sur 40 que je vais utiliser. Donc maintenant, si je mettrais 4 litres d'essence, il faudrait que je descende mon huile jusqu'à 10. Là, vous voyez, jusqu'à 10, mais là, ça ferait que je fasse moins 4 jusqu'à 6. Puis là, il m'en resterait 6. Jusqu'à 6. Je sais pas si vous comprenez, là, je suis vraiment pas clair, puis je le sais, là, parce que moi-même, je l'ai jamais fait encore. Il faudra que je m'adapte. Donc, je suis vraiment pas clair, puis je le sais, puis je m'en excuse. Mais bon, aussi, là, mon père, il est vraiment mince. Il m'a acheté tout à l'heure une espèce de petite bombe, une petite. Voyons, comment on appelle ça? Hey, je suis vraiment calme, moi, ce soir. Un bidon d'essence, là, regarde. C'est un bidon de 10 litres. Puis lui, il a déjà mélangé, donc il a déjà mis de l'huile dedans. Et vu que le mélange, c'est 25 ml pour 1 litre, maintenant, là, vu que c'est un 10 litres, ça va être 200... Il a mélangé 250 ml dedans. Donc là, pour environ une semaine, là, le temps de... C'est que ça, c'est plein. J'aurais même pas besoin de faire de mélange à rien parce que ça, il est déjà mixé. Ouais, mixé. Donc là, j'ai rien qu'à faire glou, 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 puis là, le tour est joué. Ça va être ça à peu près le changement. Là, avant, j'avais une petite seringue vraiment dégueulasse. Là. Je sais pas où. Je vais même vous la montrer. Et je vais voir si elle est là. Tu sais, après, on se demandait pourquoi mon scooter était tout le temps dégueulasse. Là. Mais check ça, je mettais ça là-dedans. Allô? Voici la petite seringue bien dégueulasse. Même celle-là était neuve, donc elle n'est pas si pire. Là. Mais en tout cas, je prenais des seringues dégueulasses. Puis là, il fallait que je fasse un mélange, que je mette de l'huile là-dedans, là. Checker ça, comme c'est sale. Avec ça, là, puis que je mettais ça dans le scooter, là, puis c'était vraiment dégueulasse. Maintenant, la deuxième chose, le problème que j'ai eu hier, c'était mon pneu qui était tout dégonflé. Mais là, mon père, il m'a fait un petit cadeau encore. Il est vraiment gentil, mon père est vraiment nice. Il est allé chez Moto Thibault, puis il m'en a acheté un œuf. Donc là, il est neuf. Là, il y a encore tous les petits poils dégueulasses, là, glissants, là. Mais bon. Mais bon, hier, je paraissais stressé aussi parce que, tu sais, justement, avec les problèmes du scooter puis tout, puis avec mon... Là, j'ai commencé mon cours de camionneur, puis c'est rough, ouais, c'est vraiment nice, ça. Ça fait depuis que longtemps, depuis que j'ai 10 ans, 11 ans que je veux faire ça, là, mais je suis quand même juste un petit cul de 18 ans, là, puis, tu sais, 18 ans pour conduire des 53 pieds, puis tout le cours, puis toute l'information, là, c'est toute une affaire. Puis, by the way, je voudrais aussi remercier Dylan Audi Bouchard, ou Bouchard Audi, je m'en souviens plus, là. Dylan, c'est lui qui a tout ajusté mon scooter puis tout, puis qui a taponné dessus jusqu'à 1h du matin des fois, là, puis je te remercie, sérieux, là. Je suis sûr que t'as mis beaucoup d'énergie dessus, là, puis je suis bien conscient de ça, là. Puis je t'en remercie. Puis si jamais vous voulez aller modifier votre scooter quelque part, ben je vous conseille fortement Secret Import. Il se retrouve à Sherbrooke. Ils ont un dynomètre, là. Dynanomètre, comment on dit ça? En tout cas, là, pour calculer la vitesse, puis l'RPM, puis tout le kit, là, c'est vraiment super, là, je vous le conseille fortement. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire pour ce soir. Là, je sais que vous autres, vous tripez pas mal juste sur les scooter vlogs, puis il y en a qui tripent sur l'Urbex aussi, puis je vous remercie ceux qui aiment l'Urbex, parce que je vais continuer à en faire, là. Ça, il n'y a même pas de doute. Mais bon, je voudrais juste préciser que jeudi soir, ou en tout cas en fin de semaine, je risque de sortir ma vidéo que ça fait longtemps que je travaille dessus. Qu'en fait, qu'on travaille dessus parce que tous mes amis, puis même des figurants qui ont participé à la vidéo, puis qu'on a travaillé dur pour faire une bonne vidéo, je vais sortir avoir 18 ans. Comme l'année passée, j'ai sorti avoir 17 ans, mais là, c'est avoir 18 ans. Puis je vous incite fortement à aller regarder cette vidéo quand elle va être sortie parce que elle risque d'être quand même bonne. En fait, je crois qu'elle va être réussie, là. J'espère. Mais bon, il n'y a pas juste les scooter vlogs dans la vie, c'est ça que je voulais juste vous dire. Donc, je vais arrêter de parler, ça commence à être pas mal long puis à s'étirer. Je vais vous dire salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!